Warren Buffett vient d'acheter pour 4,1 milliards de dollars d'actions de la société Taiwan Semiconductor Manufacturing. Cette société est à l'origine d'environ 90% des microprocesseurs les plus avancés du monde, fournissant les géants de la technologie, notamment Apple et Qualcomm. Mais son action a baissé d'environ 40% cette année. Il pourrait s'agir d'un autre coup de génie de Warren Buffett, dont on parlera dans les années à venir. Et les chiffres semblent être en accord, puisque le chiffre d'affaires du troisième trimestre, le TSMC, a augmenté de 35,9% par rapport au même trimestre de l'année précédente, et que la marge brute est passée de 51% au cours de la même période de l'année précédente à 60,4%. L'entreprise prévoit même de commencer la production en volume de microprocesseurs de 3 nanomètres, Samsung étant la seule autre entreprise à lui faire concurrence sur cette technologie. L'avenir semble prometteur pour TSMC, et une fois de plus, Warren Buffett semble être le génie qui l'a vu venir.